sommes confrontés, chers téléspectateurs, depuis plusieurs décennies à des crises, à des événements dramatiques qui touchent la fameuse poudrière proche-orientale. Et dans ce contexte, eh bien, je vais vous parler aujourd'hui d'une crise survenue il y a maintenant plus de 60 ans, qui est bien mal connue des jeunes générations. C'est la crise de Suez d'octobre-novembre 1956. Il faut rappeler le contexte. En Égypte, en 1952, les officiers libres, qui se baptisent tout du moins ainsi, réalisent un coup d'État contre le roi Farouk, qui était une créature des Anglais, pour résumer les choses, et pour installer un pouvoir nationaliste arabe au Caire. C'est le général Naguib qui est d'abord le porte-parole de ce mouvement, mais dès l'année suivante, c'est le jeune colonel Gamal Abdel Nasser qui s'impose comme l'homme fort du nouveau régime. Il va négocier avec les Anglais l'évacuation de la zone du canal de Suez et se pose ensuite comme l'un des leaders les plus en vue du qu'on appelle à l'époque le tiers-monde qui commence à se former. Ce colonel Nasser, nous le retrouvons le 26 juillet 1956 à Alexandrie où devant une foule immense, il tient un discours dans lequel il rend compte de la visite du responsable de la Banque mondiale, du président de la Banque mondiale, qui est venu lui signifier que celle-ci ne financera pas les travaux de réalisation du barrage d'Assouan, jugé pourtant indispensable au développement de l'Égypte. Il faut rappeler quel est le contexte du moment. Les Occidentaux, les Américains, en 1955, ont mis en place le pacte de Bagdad, hein, qui réunissait un certain nombre de pays du Proche et du Moyen-Orient, la Turquie, l'Iran, l'Irak, le Pakistan, entre autres, pour faire barrage, bien sûr, à la poussée soviétique en direction de l'océan Indien, pour poursuivre le containment qui avait été défini comme la doctrine américaine par Harry Truman quelques années plus tôt. Or, l'Égypte du colonel Nasser ne s'est pas associée à cette entreprise. Et encore plus grave, l'Égypte du colonel Nasser a été très en vue à la conférence de Bandung qui s'est tenue en Indonésie en cette même année 1955 en tant que porte-parole du tiers-monde qui refuse de choisir entre les deux blocs, bloc soviétique d'un côté, bloc occidental de l'autre. Alors évidemment, tout cela fait que l'Amérique refuse à travers la Banque mondiale de soutenir les projets nassérien. Mais voilà que dans son discours, Nasser introduit une phrase apparemment sibylline, hein, évoquant ce président de la Banque mondiale. Il dit à ses auditeurs, ce monsieur Black me rappelle Ferdinand de Lesseps, celui qui a été à l'origine de la création, on le sait, du canal de Suez. En réalité, cette phrase, c'était en quelque sorte un signal envoyé à la police et à l'armée égyptienne qui immédiatement vont occuper le périmètre d'exploitation du canal, occuper les bureaux, les ateliers de la compagnie. En fait, Nasser annonçait ainsi la nationalisation du canal de Suez. Nous sommes donc le 26 juillet 1956. C'est la fureur à Londres et à Paris. Hein. La compagnie du canal de Suez est avant tout une œuvre franco-anglaise. Hein. En plus, le ministre français des Affaires étrangères, Christian Pinault, rentrait justement du Caire où il avait reçu tous les apaisements souhaités de la part du gouvernement égyptien. Le conseil d'administration du canal, les actionnaires sont vent debout face à la mesure annoncée. On rappelle les pilotes et les cadres de la compagnie pour empêcher le canal de fonctionner et mettre l'Égypte devant le fait accompli. La France décide le gel des avoirs égyptiens sur son territoire.
Et plus grave que cela, le président du Conseil français, Guy Mollet, le leader qui est arrivé à Matignon après la victoire du Front républicain aux élections de janvier 1956, Guy Mollet n'hésite pas à comparer Nasser à Hitler. Hein, il rappelle comment Léon Blum, avant lui, en 1939, avait évoqué la nécessité de réagir face aux initiatives nazies. Il rappelle ce qu'avait été l'occupation de la Rhénanie en 1936, la France était restée passive alors qu'elle aurait pu agir à ce moment-là. Tout le monde, en fait, est dressé contre le leader égyptien. Guy Mollet, Bourges Monnoury, Mitterrand, Defferre, les hommes du gouvernement installés depuis le mois de janvier. Et puis, il se retrouve avec d'autres, hein, notamment avec Jacques Soustelle, par exemple. Hein. Donc, il y a une assez large unanimité contre cette Égypte de Nasser, et les députés réclament même des mesures énergiques le 2 août. Les députés réclament des mesures qui sont votées par 422 voix contre 150, les voix du Parti communiste et des poujadistes. Hein. Donc du côté français, on semble déterminé, d'autant que nous sommes dans le contexte de la guerre d'Algérie, et qu'on se fait un petit peu l'illusion que s'il y a la guerre en Algérie, si le FLN s'oppose à la France, c'est parce qu'il est soutenu par Nasser, au nom du nationalisme arabe, ce qui est un petit peu réducteur, mais en tout cas on associe les deux. Donc s'en prendre à Nasser, c'est aussi peut-être apporter des éléments de solution en Algérie. Du côté anglais, les choses sont moins claires. Anthony Eden, qui a succédé à Churchill au 10 Downing Street, est tout à fait sur une posture, sur une attitude beaucoup plus réservée. En plus, l'opposition travailliste de Gaitskell et elle, très critique vis-à-vis de toute idée d'intervention. On veut ménager aussi les États arabes pétroliers qui sont des partenaires de l'Angleterre. Et puis aussi, il y a un point, à la différence de la France où la classe politique française est très proche de l'État d'Israël, eh bien en Angleterre, ce n'est pas le cas, parce que l'Angleterre a été puissance mandataire en Palestine, ça s'est mal terminé. On se souvient du terrorisme sioniste contre les Anglais. Donc on est dans un contexte un petit peu différent. Seul Harold Macmillan, chancelier alors de l'échiquier, est partisan d'une intervention en disant que si l'Angleterre ne fait rien, elle va être réduite au rang de la Hollande, au rang des Pays-Bas. Du côté américain, on est réservé également. Foster Dulles, le maître du département d'État, est plutôt pour la négociation. On veut ménager le tiers-monde, hein, dans le contexte de la compétition avec le bloc soviétique. Les Américains, il faut se le rappeler, ont toujours eu un réflexe anticolonialiste qui est lié à leur propre histoire. Donc l'émergence d'un tiers-monde qui s'exprime notamment contre les vieilles puissances coloniales, ça ne les gêne pas trop. En plus, ils sont dans un contexte électoral. Au mois de novembre, il va y avoir des élections. Dwight Eisenhower se présente de nouveau pour voir renouveler son mandat. Du côté soviétique, on entend bien exploiter la situation. Les soviétiques ont proposé à l'Égypte de se substituer aux occidentaux pour financer les travaux du barrage d'Assouan. Ils fournissent des armements, notamment des bombardiers Ilyushin. Du côté israélien, on s'inquiète bien sûr du danger que représente l'Égypte, hein, vaincue certes en 1949, mais qui est avide de revanche. En même temps, on est confronté quotidiennement à la menace des fédayines qui agissent à partir du territoire de la bande de Gaza qui est sous administration égyptienne. De manière générale, la fragilité géostratégique d'Israël, hein, du fait de l'exiguïté de son territoire, fait que on y souhaite en fait une guerre préventive, et Israël va jouer un peu les bouts de feu lors de cette crise de Suez pour cette région. Alors la crise, comment va-t-elle se dérouler? Le 29 juillet, le français Christian Pinault rencontre son homologue britannique Selwyn Lloyd à Londres, en présence du sous-secrétaire d'État américain Robert Murphy. Celui-ci conseille la prudence, mais chez les Français et les Anglais, on commence à établir des contacts militaires. L'amiral nommé Lord Mountbatten, le premier lord
de la mer. Les Français sont en pointe manifestement pour agir, les Anglais un petit peu plus réservés. On parle d'une intervention reportée au mois de décembre. En attendant, on laisse place à la diplomatie. Il y a une conférence réunissant les usagers du canal le 16 août, close le 21 août sans résultat. L'Australien Menzies vient rendre compte de tout cela à Nasser, qui de toute manière, lui, se sent soutenu par l'URSS et qui entend bien aller jusqu'au bout. En même temps, Washington est sur la réserve et n'entend pas suivre la France et la Grande-Bretagne dans une opération dont l'issue paraît incertaine au point politique, tout du moins. En tout cas, du côté franco-anglais, on prépare l'intervention, même si l'opinion anglaise, il y a un sondage à l'époque, reste plus que réservé, voire hostile. Hein. 49% seulement des Anglais sont pour une intervention militaire, sont contre une intervention militaire, alors que 34% seulement sont pour. Alors, on va en tout cas mettre en place un plan selon lequel il s'agirait de prendre en gage la zone du canal pour l'utiliser dans une négociation avec Nasser pour créer un rapport de force. Hein. C'est le plan de l'opération Mousquetaire, hein, avec la prise du canal par des troupes aéroportées. Là encore, des réserves anglaises, parce qu'on se souvient de la malheureuse opération d'Arnhem en septembre 1944 du côté des Anglais. Des réserves du côté anglais, une prudence du côté anglais. En revanche, les Français vont s'entendre pleinement avec Israël, qui a le sentiment d'une menace imminente sur son existence, hein, du fait du renforcement de l'Égypte, de l'action des Fedayin palestiniens. Shimon Peres va rencontrer Christian Pinault à la fin du mois de septembre. Moshe Dayan va rencontrer les généraux Eli et Charles au début du mois d'octobre. On va livrer du matériel en quantité importante à Israël, qui va commencer à imaginer l'opération Kadesh, qui est une opération visant à la conquête du Sinaï. Là encore, les choses sont compliquées parce que, à la suite d'une action de Fedayin, il y a des représailles israéliennes en Jordanie et les Anglais rappellent qu'ils sont les protecteurs de la monarchie hachémite jordanienne. Cela dit, le 22 octobre, rencontre secrète à Villa Coublay entre Ben Gurion l'israélien et Guy Mollet le français. Ben Gurion adjure Guy Mollet d'aider son pays, rappelle le souvenir des persécutions et des massacres subis par les juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, et Guy Mollet va promettre couverture aérienne et appui naval à l'opération israélienne qui doit démarrer le 29 octobre, malgré les appels à la retenue lancés par Washington. Alors, entre-temps, les forces françaises engagées, notamment des forces aériennes, des Mystère 4, des Vautours, sont arrivées en Israël après être passées par Chypre pour participer à l'opération engagée par Tsahal. Et dans la nuit du 29 au 30 octobre, un bataillon parachutiste israélien va s'emparer des cols de Mitla, au cœur du Sinaï, en même temps que trois colonnes blindées et motorisées israéliennes s'avancent donc dans le Sinaï égyptien. Les passes de Mitla sont contrôlées, l'armée égyptienne du Sinaï va se retrouver encerclée et dispersée rapidement, notamment après la bataille de Bir el Gagalfa le 2 novembre. Les Israéliens sont en situation de foncer vers le canal. Ils s'emparent de la bande de Gaza, où la base de Rafah, qui était pleine d'armements soviétiques et tchécoslovaques, est prise par les Israéliens. Et pendant qu'Israël mène cette opération, le croiseur français Georges Legge pilonne les positions égyptiennes depuis la mer. Les Israéliens s'emparent également de Sharm el-Sheikh, au sud du Sinaï, hein, le point qui permet de contrôler le détroit de Tiran et d'accéder au port israélien d'Aïlat, au fond du golfe d'Aqaba.
au total une victoire écrasante dans le Sinaï pour Israël, moins de 200 tués, alors qu'il y a des centaines de morts, 5000 prisonniers, 20000 hommes qui errent dans le désert en fuite du côté égyptien. Une défaite égyptienne, en plus une défaite très, très humiliante. Hein. Dans le même temps, une armada franco-anglaise s'approche des côtes égyptiennes avec 6 porte-avions, 130 navires de guerre, à peu près autant de navires de transport de troupes. Hein. La 10e division parachutiste a été amenée d'Algérie à Chypre. Hein. Toujours des hésitations britanniques parce que les Anglais ont tendance à surestimer l'armée égyptienne, mais l'assaut est quand même fixé au 5 novembre au matin. Hein. Dans les jours précédents, des raids aériens ont détruit une bonne partie de l'aviation égyptienne au sol. Et effectivement, le 5 novembre, à 7h30 du matin, les paras français et britanniques vont sauter sur la zone du canal, à hauteur notamment de Port Saïd. Hein. C'est notamment le 2e régiment de parachutistes coloniaux du célèbre colonel Château-Jobert qui est en pointe à ce moment. L'opération est cornaquée depuis un poste de commandement volant installé à bord d'un Nord Atlas pour le général Gilles. Et Port Saïd, Port Fouad sont rapidement contrôlés sans que les Égyptiens opposent une résistance vraiment significative. Mais les paras ont réussi leur mission, mais se retrouvent isolés par rapport aux forces qui s'apprêtent à débarquer, faute de liaison radio satisfaisante. Et contrairement à ce qui est dit dans la presse française à ce moment-là, l'ensemble de la zone du canal n'est pas encore complètement contrôlé. Alors, il va se passer surtout un événement qui va venir tout bouleverser, c'est l'ultimatum envoyé par le maréchal Bulganine qui partage le pouvoir avec Khrouchtchev à Moscou. Hein. Ultimatum envoyé à Paris, à Londres et à Tel Aviv à 23h30 par lequel les soviétiques annoncent que si l'opération se poursuit, il y a le risque d'un affrontement qui pourrait monter jusqu'au nucléaire. Alors, conseil des ministres extraordinaire réuni dans la nuit par Guy Mollet, des informations inquiétantes, des vols au-dessus de la Turquie, etc. En fait, c'est de l'intox réalisé par les Américains qui veulent aussi faire pression sur Paris et Londres. L'ambassadeur américain à Paris, Douglas Dion, va mettre en garde Guy Mollet. Celui-ci pense que les Américains bluffent. Et le lendemain 6 novembre à 6h40, le débarquement commence sur les côtes égyptiennes. Mais quelques heures plus tard, dans l'après-midi, Anthony Eden va décider un cessez-le-feu sur la pression, sur les injonctions du président Eisenhower, qui vient tout juste d'être réélu. Dans ces conditions, la France, évidemment, ne peut continuer seule. C'est un échec pour la France et la Grande-Bretagne que cette opération. Nasser peut se prétendre vainqueur, évidemment, au moins politiquement, des anciennes puissances coloniales contraintes de renoncer. Israël a marqué des points, hein, il a affaibli sérieusement le potentiel égyptien, hein, qui mettra du temps à se reconstituer, et ça nous amènera en 1967 à un nouveau conflit, hein, la fameuse guerre des six jours. Quant à l'URSS, elle a réussi à s'installer en Égypte, à développer son influence dans le monde arabe, et surtout, elle a su faire oublier, à ce moment précis, l'écrasement de la révolte hongroise au cours des journées précédentes. Je vais vous raconter l'histoire d'une belle escroquerie, c'est la vente de la Tour Eiffel. Eh oui. Alors le personnage principal, cet escroc quand même très doué, disons-le, s'appelle Victor Lustig. Il est né en janvier 1890 à Ostiné, c'est en Bohême. L'époque, évidemment, c'est l'Empire austro-hongrois. Aujourd'hui, c'est la République tchèque. Et il est né dans une bonne bourgeoisie. Il n'a pas de soucis à se faire particulier. Les études ne l'intéressent pas. Il est incroyablement fainéant. Il a un mauvais esprit, le petit Victor. Il n'y a qu'une chose pour laquelle il est doué, c'est les langues. Il va apprendre 5 langues très facilement.
facilement, ça va lui servir. Et puis surtout, il commence à faire des petites escroqueries, et avant 18 ans, il va déjà connaître la prison 3-4 fois. Il commence petit, mais ça promet bien. Vocation déjà. – Vocation précoce. – Vocation précoce. À 18 ans, il se bat, je ne veux même pas dire en duel, c'est plutôt dans une rixe pour une fille, et il va recevoir une blessure au visage, un coup de couteau, il va avoir une cicatrice fort vilaine entre l'œil gauche et l'oreille gauche, et évidemment ça sera toute sa vie, ce qui permettra de le repérer quand il sera poursuivi par la police, mais en même temps ça lui donne de la gueule d'une certaine façon, ce visage balafré. Alors il part, il quitte très vite sa petite ville, ça, là, c'est trop petit pour lui, puis il commence à être un peu grillé là aussi, et il commence à faire des allers-retours sur les très beaux bateaux entre l'Europe et les États-Unis. Pourquoi ? Déjà, il apprend les bonnes manières, ce qui peut toujours servir aussi, et surtout à tricher au poker, au bridge. Et qui est-ce qu'on trouve sur ces beaux bateaux, hein ? Ça aurait pu être le Titanic, mais il n'a pas pris le Titanic. Eh bien, c'était des vieilles rombières pleines d'argent et de bijoux. Et il, évidemment, comme il triche très bien aux cartes, eh bien, il se fait une petite fortune, ce qui lui permet, quand la guerre éclate, et évidemment, il est furieux quand les bateaux s'arrêtent, parce que là, avec les mines, et etc., ça s'arrête. S'il a mis suffisamment d'argent de côté pour passer la guerre sans être trop embêté, il ne fait pas de guerre, hein, ou il disparaît un peu pendant la guerre. On le retrouve en 1920 à Paris. Là, il s'est nommé lui-même le comte Lustig. Alors, il est très dandy, très élégant, la canne à pommeau d'argent, tout ça, enfin, cette cicatrice, il parle très bien, avec une pointe d'accent, il est très chic, il impressionne tout le monde. Et il lit dans un article à Paris qu'on ne sait pas trop quoi faire de la tour Eiffel, qui aurait dû être détruite en 1909, mais qui rouille et qui coûte cher à entretenir. Et hop, c'est l'idée de génie, je vais vendre la tour Eiffel. Alors, il fait ça très scientifiquement, il commence par se faire imprimer du papier à lettres magnifique, avec tout ce qu'il faut. Il se donne un titre extrêmement ronflant, adjudicateur de la ville de Paris, etc., etc. Puis il cherche 5 ferrailleurs, les plus susceptibles. Alors, il ne fallait pas que ce soit les plus gros non plus, parce qu'il se serait un peu méfié, mais enfin, finalement, il en retient surtout un, qui sera le gogo, qui s'appelle André Poisson et qui est passé à la postérité parce que le pauvre, il s'est fait avoir. Alors, il s'installe au Crillon, parce qu'évidemment, il faut que ça fasse chic, et il reçoit avec des complices qui jouent les autres ferrailleurs. Finalement, il préfère se concentrer sur André Poisson, et il le reçoit et il lui dit, c'est le président lui-même, c'est Gaston Doumergue à l'époque, qui veut, mais que ça, il faut que ça soit très discret, alors surtout pas un mot à personne. Alors le pauvre André Poisson, il va quand même en parler à sa femme, qui est moins idiote que lui, qui dit, ouh, t'es sûr que… Alors, pour le convaincre, il dit, vous savez, nous les hauts fonctionnaires, on est très très mal payés, donc ça serait bien si ça pouvait être en partie en liquide, vous voyez ce que je veux dire, je vous auriez le marché, mais avec un petit pot de vin, ça s'arrangerait. Et du coup, l'autre se dit, oh ben oui, ça c'est vrai, ça s'il y a un pot de vin, c'est que c'est vrai. Et il va même l'emmener visiter la Tour Eiffel. Et puis, il s'est fait une carte de ministre avec le petit imprimeur, là, bon, et ça passe. Donc, mais pas de chance, les ouvriers sont en train de repeindre la tour Eiffel. Alors, André Poisson dit, mais pourquoi on la repeint si on doit la démanteler ? Il dit, non, ils sont en train de la démanteler. Ce que vous voyez là, c'est pas qu'ils la repeignent. Et l'autre, qui est décidément mal comprenant, se dit, ah bon, d'accord. Et donc, il va acheter la tour Eiffel avec un chèque et surtout une grosse partie en liquide. Évidemment, dès qu'il a le chèque et le liquide, il file à Vienne, puis revient 3 semaines plus tard et recommence avec un autre ferrailleur qui, lui, se méfie quand même et va appeler la police. Du coup, il file aux États-Unis. André Poisson n'osera jamais porter plainte. Jamais. Il avait hypothéqué sa maison, emprunté de l'argent, etc. Et il ne va jamais porter plainte, ne voulant pas passer pour l'idiot de service. Trop tard, c'était fait. Il arrive aux États-Unis. Bon, il a l'argent de la Tour Eiffel, mais ça, il flambe beaucoup. Donc, il se lance dans la fausse monnaie, ce qui est toujours rentable. Il va en Oklahoma et il a une machine à imprimer des faux billets.
Et puis il se fait prendre par le shérif, qui s'appelle le shérif Richard, qui n'est pas non plus d'une mentalité excellente, parce que le Stig lui dit, mais écoutez, on peut partager, allez. Et l'autre dit, bah oui, après tout, je suis mal payé comme shérif, bon. Et quand même, il se rend compte que les billets ne sont pas bien imprimés, etc. Il arrête le Stig, qui s'évade, file à Chicago. Le shérif lui court après, le rattrape à Chicago dans un hôtel, et Lustig a tellement d'aplomb qu'il lui dit « Vous vous êtes mal servi de la machine, c'est pour ça qu'ils sont mal imprimés. On retourne et je vous montre comment on fait. » Et il lui fait une démonstration avec un tour de passe-passe pour lui donner une liasse de vrais billets, évidemment. Le shérif va se faire arrêter, va être mis en prison, et notre Lustig va continuer. En tout, il sera arrêté 47 fois. Et chaque fois, on le met pas en prison, il s'en sort. La 48e, ça sera la bonne quand même, parce que là, les autorités commencent à s'inquiéter beaucoup de la masse de fausses monnaies qui circulent dans le pays. Alors, ça les mène à un certain William Watts, et on trouve pas William Watts, mais on trouve son complice, Victor Lustig, qui est arrêté à New York, qui dit « Ah oui, je connais ce Watts, mais… » Non, non, moi j'y suis pour rien. L'ennui, c'est qu'il a sur lui une clé de consigne de Times Square. Les enquêteurs vont à cette consigne et dedans, il y a 350 000 dollars en fausses coupures. Et il dit, ah non, je ne sais pas du tout ce que ça fait là. Là, quand même, c'est un peu gros. Il est arrêté, il va être jugé. Incroyable, la veille de son procès, il arrive à s'évader en attachant les draps de son lit et à s'évader par la fenêtre. C'est incroyable quand même. Eh bien oui, c'est vrai. Il sera rattrapé 27 jours plus tard. Cette fois-ci, sous bonne garde, il va quand même être condamné. Entre-temps, il avait essayé d'arnaquer Al Capone, ce qui était normalement dangereux, mais Al Capone a été tellement époustouflé par le culot de ce faux compte, vrai tchèque et véritable escroc, que finalement, il lui donne même 5000 dollars en disant « Allez, tu me fais rire, tu me fais rire ». Et Al Capone, eh bien, il est à Alcatraz, où va le rejoindre Lustig. Et Al Capone va le préserver des autres, parce qu'il valait mieux être dans les petits papiers d'Al Capone, même Alcatraz. Et il est condamné à 20 ans de prison, il se dit ça va être long. En fait, il ne va pas les faire parce qu'il va mourir avant. Mais dans sa cellule, il continue les petits trafics d'une façon ou d'une autre. Et puis il a une carte postale de la Tour Eiffel, les cartes postales complètement banales, qu'il a accroché au mur, et puis dessous, il a mis « vendu 100 000 francs ». Et c'est son dernier bonheur. En fait, il va mourir de pneumonie, ça ne devait pas être très sain, Alcatraz, à 57 ans. Alors, on dit qu'il s'est inspiré d'un Écossais, Arthur Ferguson, qui en 1923 avait réussi à vendre la statue de Nelson à Trafalgar Square, Big Ben, Buckingham Palace, qui avait loué pour 5 ans la Maison Blanche à un Texan, et qui avait s'était fait prendre parce qu'il avait essayé de vendre la statue de la Liberté à un Australien. Et puis voilà, lui, bah, il termine sa vie en prison. Mais un dernier mot, Lustig, ça veut dire drôle en allemand. Et ça a donné Lustig. Et bien, c'était un drôle de Lustig. Alors, je reçois aujourd'hui, chers téléspectateurs, deux invités qui viennent chacun de commettre un ouvrage du plus grand intérêt sur un thème un petit peu surprenant, il faut le dire, qui est le thème de l'héroïsme. Hein, un sujet, un nom qui peuvent paraître tout à fait anachroniques, qui, il y a quelques années, à l'époque du triomphe et de l'hégémonie du gauchisme 68-art, aurait prêté à sourire.
Eh bien, il se trouve qu'aujourd'hui, l'héroïsme revient à la mode. Et c'est pour cette raison donc, que nous allons en parler aujourd'hui. Alors, nous allons en parler avec M. Marc Rousset, qui est un homme qui vient de l'entreprise par sa formation, qui vient d'HEC de Harvard, mais qui a commis déjà un certain nombre d'ouvrages, notamment dans le domaine géopolitique, et qui nous donne un livre intitulé « Adieu l'argent roi, place aux héros européens », avec en sous-titre « Critique de la civilisation de l'argent, apologie de l'héroïsme ». Alors allez, le programme là est tout à fait clair dans ce titre. Et puis nous avons également avec nous Yvan Blot que les téléspectateurs de TV Liberté connaissent bien, je crois, hein, qui nous donne un ouvrage, lui, intitulé « L'homme héroïque, un idéal pour notre survie ». Donc un titre qui a valeur de programme. L'ouvrage de Marc Rousset est publié aux éditions Godefroy de Bouillon et l'ouvrage d'Yvan Blot est publié, lui, aux éditions Apopsix. C'est ça. Alors, Marc Rousset, adieu l'argent roi. Est-ce que c'est vraiment d'actualité, cet adieu à l'argent roi? On aurait plutôt l'impression du contraire aujourd'hui. On a l'impression que l'argent est partout, domine dans tous les domaines, s'impose par rapport à toute autre valeur. Oui, il est absolument certain, le titre s'oppose à la situation, à la civilisation, à la situation actuelle, mais on sent les premiers frémissements d'un changement qui peut faire penser à une évolution de notre civilisation, les choses sont en train de bouger. Ce qui est inacceptable, mes convictions ne sont pas gauchistes, là je suis suffisamment connu pour cela, mais c'est ce qui est inné. Mais donc mon livre n'est pas du tout une critique gauchiste de l'argent, de l'entreprise. C'est trop facile, et je dirais même stupide, parce que je suis contre cette attitude vis-à-vis de l'argent. Il faut quand même garder le minimum de pieds sur terre, il faut un minimum d'argent pour vivre. Et il ne s'agit pas de tomber dans un nihilisme stupide, et puis surtout de faire fi de la réalité, et de la réalité humaine, de la nature humaine, ce qui est l'essence d'un homme de droite, d'ailleurs. Mais ce qui est inacceptable dans la société telle que nous la vivons, c'est que l'argent est devenu pratiquement la seule valeur. Dans ce livre, je n'attaque pas, en guillemets, l'argent, mais j'attaque la cupidité. J'attaque les gens qui ne pensent que pour l'argent et qui surtout vont faire un usage stupide de leur argent, qui vont gagner de l'argent pour le défendre d'une façon matérialiste, consumériste, stupide, sans aucune élévation de l'esprit, et qui fait que nous aboutissons à cette société matérialiste, vide, qui ne vit que pour le sexe et pour l'argent. C'est ce thème, et qui est d'ailleurs une des conséquences, c'est le paradoxe de ce que nous ont amené, je peux dire, sans aucune fausse honte, ces imbéciles de 68 ans, qui avaient décrété, avaient senti intellectuellement le côté négatif, ils en ont parlé, de l'argent, mais qui ont voulu, qui ont finalement créé un vide matérialiste, et qui, ce qui a eu pour effet que tous ces 68 arts sont devenus des arrivistes dans l'industrie, dans la banque, et que finalement nous avons, de cette critique qui était très belle sur le papier, en guillemets, on est arrivé à une véritable catastrophe. Alors que, parce qu'ils voulaient, ils s'attaquaient au départ intellectuellement à cette société, et ce qu'ils n'ont pas vu, c'est qu'au lieu de tomber dans la facilité, dans le libertarisme, dans le sexe, dans le « tout est permis », l'homme, ou le citoyen plutôt, pouvait s'élever par l'effort, par le dépassement, par l'héroïsme, par la transcendance de lui-même. Ouais. Et c'est là où le message 68 heures est complètement à faux, est tombé complètement à côté de la plaque.
Et nous en vivons les calamités actuelles, puisque nous sommes une société en décadence. Julien Freud a écrit un magnifique ouvrage qui se rapproche, où j'ai essayé d'imiter ce grand professeur, ce grand politologue, qui pour moi était un modèle du livre que j'ai essayé d'écrire. Nous vivons une décadence. Et ce que j'ai essayé d'opposer dans ce livre, c'est, disons, les conséquences de cette stupidité 68arde qui nous a amené ce monde qui a de l'argent, alors que jusqu'à présent, nos sociétés avaient trouvé un équilibre, on peut dire, entre les valeurs héroïques, les fondements gréco-romains de notre société, les valeurs aristocratiques que Wehner nous a montrées à la cour de Vienne, ou dans ce qu'était, par exemple, l'Allemagne même d'avant la Première Guerre mondiale. Et nous avons basculé dans cette société décadente. Solzhenitsyn l'a dit dans son discours de Harvard, c'était un mot pour dire ce qui n'allait pas dans l'Occident, c'était le manque de courage. Eh bien, je pense qu'avec Yvan Blot, nous avons fait cet effort intellectuel de non seulement d'analyser, de parler du courage en tant que tel, mais d'aller un petit peu plus loin qu'au-delà du phénomène sociologique du courage, et de souligner ce phénomène de l'héroïsme, qui est une façon pour l'individu, par l'effort, par le dépassement de lui-même, par la transcendance, de s'élever. Saint-Exupéry l'a dit, c'est l'esprit qui doit souffler sur la glaise pour élever l'être humain. Et c'est ça, c'est là où les 68 arts sont complètement à côté de la plaque. C'est ce qu'ils n'ont pas vu. Et donc, revenir au courage, revenir à l'héroïsme, c'est par certains côtés revenir aux valeurs traditionnelles européennes, et c'est revenir aussi aux fondamentaux de notre civilisation, qui sont, ne l'oublions pas, étant personnellement, je sais que là nous différons un petit peu d'Yvan Blot, moi je rejoins l'idée de la pensée de Dominique Wehner et de Nietzsche, sur le côté un peu négatif du christianisme, de revenir au fondement gréco-romain, au fondement même indo-européen, puisque finalement l'Iliade, Homère, ne faisaient que reprendre un peu des mythes qui étaient les mythes indo-européens, qui sont les fondements premiers de notre société, n'oublions pas. Alors que le christianisme, c'est quand même une religion qui nous vient, qui est quand même sémitique, qui nous vient du Moyen-Orient. Nos fondements sont... Je ne parle pas de la culture chrétienne, je parle de la religion en tant que telle, dans son dogme. Je fais mienne la culture chrétienne en tant que valeur de la civilisation européenne. Mais je suis assez opposé sur le dogme chrétien, et sur le message chrétien, qui a un côté très positif, mais qui contribue à la décadence de notre société, aujourd'hui ayant perdu cet équilibre entre ce que nous apportait l'aristocratie, les valeurs gréco-romaines, où il y avait un juste équilibre qui, après 68, après ce message californien, après ce matérialisme américain, fait qu'aujourd'hui nous vivons une société en décadence. – Pour rebondir sur ce que vous évoquez à propos du christianisme, je crois qu'on est confronté au phénomène décrit par Chesterton, de ces idées chrétiennes devenues folles, parce que le christianisme s'est accommodé aussi des valeurs de l'héroïsme. On le voit au Moyen-Âge à travers une institution comme la chevalerie par exemple, il a récupéré toute cette vision du monde, toute cette vision des choses, à travers l'héroïsme du chevalier, à travers la sainteté également. – Les premiers martyrs chrétiens étaient des héros, il faut le voir également dans cette perspective-là et ne pas s'arrêter à la situation actuelle avec les dérives catastrophiques, les dérives catastrophiques que l'on sait au niveau de l'Église, qu'on va dire officielle, sachant qu'il y a aussi tout un monde chrétien aujourd'hui particulièrement vivant et dynamique, qui prend de plus en plus d'autonomie.
Libye par rapport à tout cela. Alors ce que vous avez montré, je crois c'est très important, c'est que ce triomphe de l'argent, cette hégémonie complète des valeurs matérialistes, d'un hédonisme finalement tout à fait élémentaire, dont on voit très vite dont on voit très vite les limites, hein, ça correspond à toute une anthropologie, c'est celle portée justement par ce qu'il faut bien appeler le crétinisme 68-art, hein, qui nous a amené à cet individualisme consumériste, hédoniste, qui a détruit tous les liens organiques, naturels à l'intérieur d'une société, c'est ça, une société individualiste, je dirais, à la limite devenue complètement caricaturale. Hein, et bien entendu, tout le lien produit par les sociétés holistes traditionnelles, et nous étions arrivés à un certain équilibre, justement, entre l'individualisme avec ce qu'il peut avoir de positif, et puis l'héritage dont nous étions les dépositaires, tout cela a été balayé par l'utopie 68-arde. Ça a duré quand même 40 ans, ça fait deux générations, ça a fait d'énormes dégâts, mais comme vous notre génération, hein, tout à fait, comme vous le disiez, on sent effectivement à certains signes, à certains mouvements de fond dans la société. Yvan avait tout à l'heure une très belle formule d'Heidegger pour résumer cette situation. – L'histoire de l'être ?– Voilà, à propos de l'être, oui. – Oui, l'histoire de l'être, c'est une thèse heideggerienne. Il dit que l'histoire, en fait, est mue à l'intérieur des cerveaux humains, finalement. Mm-hmm. C'est ça, c'est l'histoire de l'être, c'est l'histoire du sens de la vie. Mm-hmm. Et que le mouvement de l'histoire de l'être ne se voit pas. C'est pas quelque chose de matériel, c'est pas quelque chose qu'on peut voir, et les esprits superficiels ne s'en rendent pas compte. C'est cette histoire de l'être qui explique l'effondrement de l'Union soviétique. Mm-hmm. Parce que plus personne ne croyait dans le communisme, mais, mais extérieurement, la coquille était toujours intacte. Mm-hmm. Puis brusquement, ça s'est effondré. Mm-hmm. Et ce qui s'est passé avec les soviétiques, on peut se demander si c'est pas ce qui est en train de se passer maintenant, voilà, ici. D'ailleurs, mon livre, je l'ai fait à la lumière un peu de mon expérience russe, puisque je m'occupe beaucoup de coopération franco-russe, et je fais partie d'un cercle présidé par Vladimir Poutine qui s'appelle le cercle de Valdaï. Et le cercle de Valdaï, il y a deux ans, a sorti un petit livre sur les valeurs de la Russie, sur la nécessité de mobiliser le peuple russe autour de ses valeurs traditionnelles. Et il y a, tout le chapitre final est consacré aux héros, en disant que ces valeurs doivent s'incarner de façon concrète. Et donc il faut enseigner aux enfants, mais aussi à tous les citoyens, les valeurs de l'héroïsme, parce que ce sont des valeurs qui permettent d'abord de s'élever soi-même, et ce sont des valeurs vitales pour la survie de la nation. Alors c'est un peu cette idée dans la fin de ce livre du cercle de Valdaï qui m'a conduit à faire cet ouvrage. – À faire cet ouvrage. Un héroïsme d'ailleurs qui avait été récupéré d'une certaine manière par le système soviétique, hein, à travers toute la mise en scène des héros du travail, mais aussi, bien entendu, toute la dimension patriotique accompagnant la Seconde Guerre mondiale, etc. L'héroïsme était très présent en Union soviétique, même si on sait ce qu'il faut penser par ailleurs du système. Et même si on peut considérer que le système était à beaucoup d'égards contradictoire avec ces valeurs, avec ces valeurs-là. Hein. Alors, Yvan Blot, là, ce qui est intéressant aussi avec votre ouvrage, c'est le sous-titre « Un idéal pour notre survie ». L'héroïsme, c'est un besoin aujourd'hui pour permettre le réveil de l'Europe ou la résurrection de nos nations européennes qui sont en bien mauvais état ? Que ce soit un besoin, c'est un besoin éternel. Hein. Je crois que l'héroïsme est quelque chose qui a toujours existé dans l'histoire. Il y a des moments où il s'affaisse, il y a des moments où il renaît. Il nous vient cette affaire de conjoncture, de situation, de contexte aussi. Voilà, c'est affaire de contexte. Et aujourd'hui, on est dans une période où on en a besoin parce qu'il y a d'abord le fanatisme islamique qui nous menace. Mmh. Et on ne combat pas un fanatisme religieux par l'amour de la laïcité ou de la République. Hein. Mmh. C'est ce que me disaient mes collègues au ministère de l'Intérieur. Je leur disais, on a un gros problème, c'est qu'on n'a rien à opposer aux conversions de jeunes à l'islamisme révolutionnaire qui a une dimension romantique.
Et ceci me répondait, monsieur, monsieur, on va leur opposer les valeurs de la laïcité et de la République. Je dis, non, mais vous rigolez ou quoi? Vous connaissez, vous, quelqu'un qui est prêt à mourir pour la laïcité? Moi, j'en connais pas. Hein. Mais des gens prêts à mourir pour la patrie, il y en a. Enfin, j'espère qu'il en reste. Bon. Il en reste. Mourir pour leur famille, mourir pour leur Dieu. C'est les trois raisons pour lesquelles on est capable de mourir. Bon. Donc, il faut voir si notre société est capable de secréter des valeurs de ce type. Je crois que oui, parce que, à cause de la souffrance. Alors là, je me rallie tout à fait à la vieille thèse des Grecs sur laquelle on apprend vraiment bien qu'à travers la souffrance. C'est Sophocle qui dit ça dans plusieurs de ses tragédies. C'est d'ailleurs repris par Heidegger. Et cette idée que lorsque vous souffrez, ben, vous comprenez un certain nombre de choses. Et c'est ce qu'on voit dans la société actuelle. Dans la société actuelle, les gens qui souffrent, ils comprennent la situation lamentable dans laquelle est la France aujourd'hui. Ils comprennent les dangers de l'immigration. Ils comprennent que l'insécurité, la criminalité, c'est quelque chose d'épouvantable, parce qu'ils sont très proches de ça. Ils sont presque sur le front, je dirais. Alors que ceux qui sont très privilégiés, éventuellement avec des mérites d'ailleurs, c'est pas le problème, mais qui ne souffrent pas, bah effectivement, tout cela leur dit rien du tout, ils se sentent pas du tout héroïques, ils sont obsédés par les quatre grandes valeurs de ce que Heidegger appelle le Gestell, c'est-à-dire l'utilitarisme. Ces quatre grandes valeurs de l'utilitarisme, c'est l'ego, l'ego qui remplace la divinité, l'argent, on l'a dit tout à l'heure avec Marc Rousset, donc l'argent qui remplace le sens de l'honneur, les masses conformistes qui remplacent les personnalités, et enfin la technique qui remplace, l'obsession de la technique, je veux dire, qui remplace l'attachement aux origines, à l'héritage, et qui donne un enracinement à l'homme en quelque sorte. Donc ce monde moderne, il est assis sur ces quatre valeurs qui sont des non-valeurs qui conduisent vers la mort. Si les traditions ont toujours défendu d'autres valeurs, et notamment l'héroïsme, parce que l'héroïsme à travers les siècles a montré qu'il permettait aux gens de survivre. Tandis que ces valeurs de mai 68 dont on parlait tout à l'heure, elles nous conduisent vers la mort. Il y a un très beau portrait du diable qui est fait par Bulgakov, le romancier russe, dans Le Maître et Marguerite. Il dit que le diable a un œil vert et un œil noir. Pourquoi ? Il a un œil vert, c'est pour donner des illusions aux hommes, faire miroiter des plaisirs immédiats. Et puis l'œil noir, c'est parce qu'il est conduit réellement vers la mort. Et les hommes ne s'en rendent pas compte parce qu'ils ne voient que l'œil vert, parce que l'œil vert brille, l'œil noir ne brille pas par définition. Eh bien, c'est ça. Et il y a un personnage, moi, que je trouve un peu... Bon, le mot est peut-être un peu fort, mais il a un petit côté diabolique, comme ça, un peu. Il ressemble un peu à ce Folland, qui est le diable de Bulgakov. C'est Macron. Il a le sourire du diable, vous savez, c'est une expression... C'est pas une figure de héros, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est l'anti-héros, ça. Non, mais il y a l'obsession de sa propre personnalité. L'homme est tombé amoureux de lui-même. Et ça, c'est la marque centrale de la décadence. Narcissisme absolu, oui. Alors, il y a une question qui mérite d'être posée aussi, concernant le discrédit dans lequel était entré l'héroïsme pour les gens de notre génération, en gros, donc celle des 68ards, c'était quelque chose, une valeur complètement dépassée, anachronique, archaïque, à la limite du ridicule, même si on constate aujourd'hui que les choses sont en train de bouger. Mais est-ce que ce discrédit, il n'était pas lié aussi à ce qu'avait entraîné l'attachement à l'héroïsme militaire à l'occasion de guerre mondiale, où on avait vu justement une suprématie totale de la technique, où toutes les valeurs traditionnelles, guerrières, de courage, que l'on pouvait porter en avant précédemment, finalement étaient complètement écrasées sous le fait de l'artillerie, des bombardements aériens, où finalement les qualités traditionnelles des individus ne comptaient plus guère. Oui, là je crois qu'il faudrait faire une distinction justement entre l'Occident peut-être et l'ancien monde soviétique. Parce que ça c'est valable pour le monde occidental. Je crois que les Américains ont bien vu que plus les Européens seraient individualistes, seraient décadents, ne seraient pas patriotes, plus c'était dans leur intérêt. Donc ils ont tout favorisé dans cette direction-là. C'est pas un hasard si les Américains ont toujours aidé, y compris financièrement, les démocrates chrétiens et les socialistes. Parce que pour eux, c'était les agents de la décadence, de la soumission, disons. La soumission, voilà. La soumission. Et d'ailleurs, ça s'est même un peu retourné contre eux, parce qu'ils aimeraient qu'on dépense plus pour nos armées. On veut plus faire tellement on est soumis, tellement l'Allemagne étant vraiment le sommet de ce point de la chose. Ouais. Et de l'autre côté, c'est vrai que malgré le communisme qui attirait de moins en moins les foules, en tout cas à l'intérieur, donc ça se voyait pas, enfin c'était un fait,
effectivement, on a gardé ces idées que le courage, l'héroïsme, c'est quelque chose d'essentiel. Il n'y a pas eu le mai 68 hein, en Russie. Il y a eu la période Yeltsin, qui était une période de décadence, c'est vrai. Mais je me souviens avoir rencontré à cette époque-là le numéro 2 du Parti communiste russe. Et je ne suis pas communiste, je sais si je ne suis pas communiste, mais c'est des communistes un peu spéciaux, il faut dire. D'abord, il m'a reçu dans un bureau où il n'y avait que des icônes sur les murs. Alors je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça fait là ? Ici, c'est le Parti communiste. Il me dit, oui, alors, de quel communiste vous me parlez ? Il me fait, ben, moi, je vous parle du communiste français, ou du communiste de l'Union soviétique. Ah, l'ancien régime, on a changé tout ça, il me dit. Il me dit, vous savez, maintenant, on a compris que l'Union soviétique était une catastrophe absolue, et on cherche une troisième voie. Je dis, ah, c'est bien, mais c'est difficile. Il me dit, oui, la troisième voie, dans l'abstrait, on ne la trouvera pas. Il faut la trouver dans les racines de notre peuple, dans l'histoire millénaire de la Russie, et la colonne vertébrale de cette histoire millénaire de la Russie, pour nous, en tout cas, c'est l'Église orthodoxe. Par conséquent, nous faisons des commissions mixtes, d'intellectuels communistes et d'intellectuels orthodoxes pour essayer de trouver ce qui va et ce qui ne va pas, ce qu'on peut imiter de l'Occident et ce qu'il ne faut pas imiter. Alors je dis, qu'est-ce qu'il faut imiter ? Il me dit, ah ben oui, il faut imiter la liberté d'expression, il faut imiter bon, le progrès, un certain progrès technique, effectivement, une certaine efficacité économique, ça c'est les bons côtés de l'Occident. Puis les mauvais côtés, il me dit, mais vous le savez très bien, il me dit, les mauvais côtés, c'est l'absence de patriotisme, c'est la dissolution des mœurs, c'est la destruction de la famille, la criminalité, la délinquance, tout ça, c'est absolument inadmissible et c'est vraiment caractéristique de vos sociétés. Nous, on ne veut pas de ça. On veut pas de ça. Et c'était donc un communiste. Alors vous imaginez ce qu'on peut penser à plus à droite. C'est-à-dire que si on s'adresse évidemment au parti de Vladimir Poutine, alors là, c'est encore plus net. Hein. – Et à celui de Vladimir Jirinovski. – Jirinovski aussi. Oui. Mais alors eux, effectivement, pour eux, rebâtir la Russie, c'est la rebâtir sur deux institutions qui sont pour eux complémentaires et non pas concurrentes, qui sont l'armée, ouais. Les valeurs militaires restent très importantes. Ouais. Vous savez qu'en Russie, il y a une fête de l'homme comme il y a une fête de la femme. Nous, on a la fête de la femme chaque année. Bien, il y a une fête de l'homme qui s'appelle la fête du défenseur de la patrie, parce que l'homme, son essence pour eux, c'est la défense de la patrie. Et les femmes vont dans des pâtisseries où elles peuvent offrir à leur mari des tanks en chocolat. Donc, vous voyez le côté militaire. Donc. Ouais. Et puis l'autre côté, c'est l'Église orthodoxe, hein, c'est sûr, qui effectivement ne connaît pas les dérives de l'Église catholique conciliaire, disons. Moi, à chaque fois que je rencontre un métropolite orthodoxe, il me dit, j'aimerais bien rencontrer des catholiques, mais pas n'importe lesquels. Ah, je lui dis, pourquoi ? Parce qu'il y en a plusieurs sortes. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les catholiques du style Monseigneur Lefebvre. Bon. Voilà, alors ça, c'est les deux piliers de la Russie actuelle. Et c'est pour ça que vous voyez tout le temps, d'ailleurs, Poutine est le patriarche, l'un à côté de l'autre. Mais ils défendent les mêmes valeurs. Hein. Un petit mot là aussi pour une des raisons du déclin de l'héroïsme. On a parlé tout à l'heure de la machine, de 70% au départ, au début de la guerre 14, les gens mouraient par balle. Oui. À la fin de la guerre, c'était 70% sur les tirs d'artillerie. Et Ernst Jünger l'a très bien indiqué d'ailleurs. Lorsqu'il y a eu Hiroshima, tout ça, ça l'a. Il a senti qu'il y avait quelque chose de changé par rapport à l'héroïsme chevaleresque. Mais on peut dire aussi que les choses ont commencé d'une façon assez humaine, assez naturelle, avec Dunant à la bataille de Solferino, devant tous ces morts. Le carnage de Solferino. Oui. Et puis Dominique Vénère, n'oublions pas Dominique Vénère, qui joue un rôle, enfin, sur lequel j'attire l'attention dans cet ouvrage. Et qui pour cela a joué un rôle très important dans la droite nationale, qui a attiré l'attention aussi sur un moment qui est arrivé d'ailleurs en même temps que 68, hein, que c'est pas un hasard, où par certains côtés, certaines personnes ont pu voir le caractère vain de l'héroïsme. Il y a eu Dien Bien Phu, la perte de l'Indochine, qu'on le dit ou non, la perte de l'Algérie d'une façon stupide, alors qu'on avait gagné militairement. Mais la façon dont on a quitté l'Algérie, on a quitté l'Algérie comme si on avait perdu la guerre, alors qu'elle a été gagnée militairement. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier aussi qu'en Allemagne, pourquoi est-ce qu'on vit ce contre-coup actuel ? Ben, c'est le contre-coup d'un acte d'héroïsme absolument remarquable qu'a été le peuple allemand, qu'on peut le dire. Au-delà de l'idéologie nazie, hein, n'oublions pas qu'il a fallu 300 000 soldats russes qui sont tombés pour prendre Berlin, donc plus de morts russes pour prendre Berlin, Berlin bleibt Deutsch, que d'autant de soldats américains morts pendant toute la Deuxième Guerre mondiale. De la guerre, donc c'est cela où Dominique Vénère a attiré notre attention sur le caractère vain de l'héroïsme, et il a redonné un espoir à cette droite nationale. En nous disant, mais pensons à l'Europe, pensons à essayer de faire quelque chose, et regardons à l'Est et vers le Nord plutôt que vers le Sud. Voilà.
Alors, merci pour tous ces commentaires concernant ces deux ouvrages tout à fait précieux. Je rappelle leur titre. Yvan Blot, L'homme héroïque, un idéal pour notre survie, aux éditions Apopsix. Marc Rousset, Adieu l'argent roi, place aux héros européens, critique de la civilisation de l'argent, apologie de l'héroïsme, aux éditions Godefroy de Bouillon. Merci messieurs. Merci bien, professeur. Merci.